Et bien sûr, mes loulous, c'est Jessica. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie sur. Sur votre. Oh. Is it true? Is he like. I'm afraid so. He fought like hell, but there wasn't no recovering from his wounds. Oh. Was it, I mean. Did he suffer? He was unconscious for most of it. He only woke up a couple of times. He mentioned you at the end. Thank you. Ouais. Encore un mort. Found this while I was out. Sweet. Et tu fais ça quand j'étais dehors. Tu sais pas, t'as trouvé ça il y a même pas 2 mètres plus loin. Quoi. Bon. C'est pas tout ça, mais j'ai un peu peur de partir tout seul maintenant. What's up? Putain, mais je peux pas le prendre avec moi. Pourquoi c'est que cette conne elle est ultra faible quoi. C'est quoi là-bas? Bon, on va aller nettoyer une infection hein. Ah merde. Ah j'ai rien sur elle, j'ai pas de médoc, que dalle. Oh là là, j'en reviens toujours pas que notre cher petit est mort. Notre petit afro-guy. Vous êtes encombré, ça va, j'avais compris. Alors, qu'est-ce que je pourrais vendre? Non, on va tout garder. Tant pis si je suis encombré, c'est pas grave. Alors, bon, est-ce qu'il y a des voitures? Il y a des voitures, nickel. Oula, qu'est-ce que tu veux? Alors. Oula, qu'est-ce que tu veux toi? Oust. On va aller voir parce que j'ai l'impression que ce jeu donne toujours des mini-missions. Yep. Qu'est-ce qu'il y a, zombie? Lâche-moi! Cassez-vous! Hein? Pourquoi il y a du feu? Ouh! Ouh! Oula! Oh non, c'est pas sérieux là! Bon, tant pis. Bon, déjà, s'il te plaît, garde les mains. Pas mal ou quoi? Voilà. Tombe! Tombe! Eh merde, elle est déjà fatiguée. T'avais déjà mon tomahawk déjà pété quoi. Merde. Vite, prends la voiture, grognasse! Toi. Bon, elle est un peu faible la mienne malheureusement. Afrogal était bien plus résistant. Ça va être dur je crois. Hein. Ça va être très dur de jouer maintenant qu'on a plus Afrogal. Bon déjà on va aller là-bas. Tant pis si mon truc casse. Bon mec, tu arrives? Un coup de main? Hey, let's clear these bastards. Okay, I'll follow your lead. Let's move. Bon. Voilà. On
va équiper ça à la place et on va aller péter. Let's do this. Allez. Par terre, connard. Oh, c'est dommage, ils ont tous les mêmes animations. Pff, elle est un peu en mousse, cette fille. Hein. Oh merde, c'est un gros. Pas grave, si tu meurs, je m'en fous. Afrogaï est mort, donc j'en ai rien à foutre, personne ne pourra le remplacer. Voilà. Rentrons dans la baraque. Et regardons ce qu'il y a. J'ai dit fouille! Ouah, une horloge. Trop cool. Voilà. Niveau de combat 4, nickel. Thanks for coming again. See you around. On va appeler. I found some supplies. Runners for pickup. I'll get people moving. Appreciate it. Bon, il y a eu l'autre. Hein? Eh oh. Mais il est où? Il est où ce con? Bon. Tant pis! Allez! Salut! Panneau stop, c'est pour les tapettes. La bagnole, c'est pour les tapettes. Il y a un gros derrière. On va peut-être le péter. Vous avez des spasmes, les mecs? C'est la mode? Voilà. Ça, c'est fait. Donc, on va revenir ici. C'est quoi ces bruits de tir là? Je vais parler à qui? Cannot believe you. You want to run away again. Come on, Lily. That's not fair. You're right. It's not. We've built a home here, and you just want to abandon it because things are getting tough. Hey, what's going on? I was just trying to tell Lily that we need to start looking for a new place to live. We're too cramped in here, and our runners keep having to go farther and farther from the church to find supplies. Seems reasonable. Things have been pretty tight lately. Fine. Then maybe you should bail on us too. Should we? Nah. Let her cool down. She'll come around eventually. I'm on it. Cool. Let's head down towards Marshall. I think I know a place that might suit us. Or we can just drive around for a while and see what we see. Your call. On va devoir chercher un nouvel endroit où vivre. Intéressant. Mais je sais pas si ça fait... En fait, ce qui est difficile dans le jeu, c'est de savoir si on fait un truc scénarisé ou pas. Vous savez que moi, je suis du genre à aller directement. Ah bah oui. Bon, en même temps, tant mieux, ça m'amènera... Voir le cadavre d'Afro Guy. Par contre, on va peut-être changer de voiture en chemin, parce que sinon... On va douiller sévère, je pense. Hop. Bon, finalement on va pas changer de voiture tout de suite. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour 2 km. Ouais, ça c'est chiant, genre de truc, mais bon, on peut. Ah.
a trouvé un nouvel endroit? Non. Tant pis. Allez, let's go. Let's go, Mario! Ah là 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 là, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans le jeu, sérieusement? Bon, on va prendre la voiture de taxi ici. Allez, viens! Non, t'es pas sérieux là. C'est bon? Merci! On va mettre les phares parce que la nuit commence à tomber. Voilà, ça fait de la bonne chair à pâté, on adore ça. Alors, donc on va trouver un nouveau lieu. Où est-ce qu'on va trouver ce nouveau lieu? Je me demande s'il y a un haut fait, enfin un haut fait, un trophée ou un achievement, hein. Un succès, hein. Pour finir le jeu, mais avec genre aucun mort ou autre. Bronto! Bon, faut... Moi je veux juste récupérer les affaires sur, le, sur Afro Guy. Ah, il est pas mal le coucher de soleil quand même. Il fait mal aux yeux, mais il fait mais il est beau. Il est joli. Bon. C'est pas tout ça, mais j'ai l'impression que cette voiture se traîne quand même. On est rentré à la maison. Merde, il y a une horde là. Voilà. So what was that with you and Lily? It's a long story. Not much on the radio to fill the time. Good point. My mom died when I was 13. Lily was 9. I'm sorry. Yeah. Anyways, not long after that was when Lily was diagnosed. And our dad, he was, he's kind of a wreck. I had to pick up a lot of that slack. Jacob, I need you to be a man. Help take care of your sister. You know what I mean? It was a lot for a kid to live up to. And I didn't handle it well. As soon as I turned 18, I told my dad that I was moving to Danforth and I was going to college. Yeah? Oh, man. Man, he blew up. We had a huge fight, didn't talk for years after that. I finally got back in touch with him just a couple of months ago, actually. And this is my first visit home. Anyway, I don't think Lily's quite forgiven me yet. C'est pas grave, gros. Sur ton gros zoubi, c'est bon. Ah, je sais, je suis trop encombré, mais là... Là, on doit chercher les affaires. Marc, Cus. Peut-être pas tout de suite. On va peut-être d'abord mettre la nouvelle base, et après on ira seulement chercher ses affaires. Ah là là, pourquoi il a fallu que je meure avec lui? Ah là 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 là. Oups. Bon, apparemment le nouvel endroit pour vivre c'est juste droit devant. Juste ici apparemment. Well, what do you think? Check this place out. It's got a big yard, a privacy wall that we can fortify pretty easily, and check out that tree fort. We could turn that into a watchtower easy. You seem awfully excited about this place. Yeah, when I was a kid, my best friend Sally, she lived in this house. And I was so jealous. I always wanted to live here. Well then, let's take a look inside. Jesus! Who's... I can't see. Help me. What the hell was that? Dunno. That didn't look like any disease I've ever seen. You? Uh-uh. Maybe we ought to go, huh? Et puis quoi encore? On peut faire une super baraque ici?
Là que j'ai pas le droit. Alors elle me fait la gueule. Bon, de toute façon, on va checker vite fait. Je peux pas? Attends, ça me dit qu'il y a des ressources ici. D'accord, je peux plus appeler, donc en gros, elle me fait la gueule. Je vous jure. Allez hop! Donc apparemment on sera pas ici. Allez hop! Petit 360, enfin 180 pardon. Oh merde, il y a une horde dans le coin. Yep! Ah mais là ça a l'air mieux. Well, that's a few options at least. There might be more out there if you look around. I'll think about it. Sure. Big decision, I get it. Just remember, Tree Fort. Uh-huh. Okay. Bon. Je sais pas à quoi ça servit, mais bon. Ça me dit. Hey, I don't want to panic you, but we may have a problem. What happened? I've been talking to some of the other survivors. A bunch of them are talking about some new disease that's been hitting their people. I think we just saw it. Yeah? Well, better stock up on meds. Pastor Will's not looking so great. Super! Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes, faut en plus qu'il y ait une nouvelle maladie de zombie quoi. Bon. Est-ce que je peux aller en faire une base? C'est la question. On va voir. Hein. Ah, j'ai de nouveaux trucs. Let's set up camp here. Think we have enough building materials to make it secure? Maybe not. Ah, putain, faut des matériaux. Fais chier. Faut 30 matériaux. Merde, comment je vais faire ça, moi? Bon, c'est pas grave. On va essayer de trouver des checkpoints dans le coin. Hé hey, mon zombie! Follow me! Yep, bonjour! Voilà, là tu as l'heure de zombie. Ah merde, attendez un instant. J'ai mon putain de logiciel de merde qui se fout toujours devant l'écran à chaque fois. Il y a toujours l'art hein, de se foutre devant l'écran. Déjà, on va aller prendre la nouvelle voiture là-bas parce que celle-là elle est en train de tomber en rade. S'il me spot à cette distance, je rigole. Eh, ils m'ont spoté. Alors, je rigole. Ah bon. Comment est-ce qu'on va faire ça? S'il y a un fort. Et normalement, il y a le cadavre de Marcus juste ici. Donc, du moins, il reste plus que ses affaires. Son sac à dos. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Bon. Bah, apparemment, j'ai pas trop le choix. Faut vraiment que je retourne à la base. Et si je veux qu'on fasse des trucs, va falloir qu'on récupère plein de matériaux. Oh mon dieu, ça va être chiant ça. Ça va être que des passages, je vais devoir chercher du matériau quoi. Bon, je sais pas si ça va vous ennuyer, mais bon.
On va aller voir ce que fait Sam, apparemment. Apparemment, il se passe quelque chose. Trop là. On va aller voir, on va aller voir. Je vais où le... Un petit champ, d'accord. Ah, je peux sortir directement par là, ok. Attention, Rex. Conduis bien, s'il te plaît. Merci, voilà. Voilà, ça ne servira à rien de partir à gauche, de toute façon. Voilà, une petite partie de la horde qui est pétée. Et maintenant on fonce. Ah, quelle tristesse que Afroga soit mort. Hein. C'est un héros. Le plus grand des héros. Parce qu'il était Afro. Non, je rigole. Ah, mais se dire quand même qu'on a passé 5 épisodes à jouer avec lui. Enfin non, 6. Au total. Au final, je le vois mourir comme une merde sous mes yeux, coupé en deux en plus par le gros zombie là. Ça fait mal au cœur quand même. Il était grand, il était beau, il avait du swag, mais il est mort. Comme quoi, hein. En fait, je parie que le nombre de survivants, c'est le nombre de personnages que je vais pouvoir incarner maximum. Bam bam bam, voilà. Ça sert d'avoir un 4x4 quand même, hein. Ah là 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 là. Il va falloir que je chope des matériaux, ça va être chaud ça. La question c'est où est-ce que je vais les choper. Enfin, on verra ça en temps et en heure, de toute façon là faut que je rentre à la base. Mais ce qui est quand même relou c'est qu'il y a des nouveaux zombies qui apparaissent toujours. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, moi je trouve que genre si on avait éradiqué tous les zombies de la zone, ils devraient pas revenir. Hein. Enfin je veux bien croire que ouais mais il y a des trucs et tout, style des nouveaux zombies qui arrivent par les forêts et tout, on peut pas savoir d'où ils viennent, genre de conneries, mais je sais pas. Ils auraient peut-être dû s'arrêter au bout d'un moment. Bon, déjà on va aller ici, pour voir si je peux examiner les lieux et ne pas tomber comme une merde, merci. Putain, fatigue vite hein, cette conne. Made it. Gonna look around now. Une horde. There we go. Il y a un véhicule. Spotted a weird one. Spotted a weird one. Ah, c'est pas une horde de zombies, c'est des zombies d'élite, d'accord. Looks like that's all there is to see. Allez hop. Ah! Bon, ça va. Ça fait pas super mal en. Par contre, je vais quand même aller voir ce qu'il y a ici. Ça a quand même l'air intéressant. C'est quand même un truc à abandonner, donc on sait jamais. Qu'est-ce qu'il y aurait ici? All quiet here. I got nothing left. Alors. I can't believe that noise didn't bring any zombies. Merde, elle est fatiguée. Pff, déjà. Il n'y avait rien d'intéressant, je suis abandonné, tant pis. Hein. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire, hein, de devoir fouiller partout. Ah. Hang on, I've got a transmission coming in, I think. Jack, do you copy? Damn it, man, where are you? Sounds like they're in a bad spot. Might want to offer them a hand. Ça va, j'ai pas que ça à faire moi. Hop. Faut que j'aille voir comment l'autre con de Sam va là. C'est ça que j'ai pas fouillé ici. Coming home now. Ah, je peux les mettre ici? Ça m'étonnerait mais bon. Sait-on jamais, on va fouiller. Alors, ça, je vais la revendre. Allez, hop. Donc, il n'y a rien ici. On peut se barrer. Youhou ! Alors. Putain, il y a de plus en plus de gros zombies dans la zone, j'ai l'impression. C'est hallucinant.
On va bientôt tomber en rade de munitions pour la base et tout. Et merde. Et merde. En train de te faire attaquer ce con. Par terre! C'est chiant que le finish ça bouffe de la vie aussi. Oui, ça je dis c'est chiant souvent, mais bon. Sam, what are you doing out here? Looking for Andy Pims. Who's Andy Pims? Fuck, you're persistent. Andy's the guy who used to come into Pastor Will's soup kitchen all the time. Eh, mais c'est qu'il y a de la bonne ressource ici, j'ai l'impression. Il n'y a aucune ressource ici, mais on a plein, qu'est-ce que tu racontes? Ah. I don't think so. Alors, maximum de réserves dépassé. Regarde un peu, vite fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. Chercher, détruire, aider. Oh non, c'est bon, on roule le cul. Allez hop! Bon! I'll help you look. Bon. On va essayer de les aider quand même. Apparently, I'm a sucker for winos with no teeth and bad gout. Because here I am looking for. Voilà. Au moins, j'ai quelqu'un avec moi. Je me sens moins seul. Hold on. Au moins, les gros, ils sont pas difficiles à tuer, ça, avantage. Merde! Je fais le con. Je prépare le pont pour la zone. How do you end up working in a soup kitchen? What's that supposed to mean? I volunteer. What, because I wouldn't help my fellow man unless I support order? I've been helping. Shit. Rest in peace. You gross old bastard. Bah oui, t'es devenu un zombie, monsieur. Voilà. C'est bon? Ouais. Je peux aller rendre les trucs et tout. Merde, il y a une horde à côté. Ça va être chier. Ok, j'ai entendu boum et le zombie est mort. D'accord. Pas de problème. Alors ce que je vais faire... C'est que de toute façon il faut... Oh mais merde. Bon, de toute façon je vais ramener les affaires là parce que sinon on va encore me gueuler dessus après. Damn it. Alors en effet on n'a pas assez de trucs pour nous. Pas pouvoir créer une nouvelle base. Qu'est-ce qu'il se passe? Boursouflé en approche. Oh, c'est un gros quoi. Il est où ce gros? Oh merde! S'éloigner. Mais vas-y, cogne. Sûr que ça.
Voilà. Au moins, on l'a aidé. Bon, il y a un zombie qui arrive, c'est pas grave. Yep. Et yep. Ah. Oh là là, ça devient chaud là quand même. Has anybody seen Jack? He's still missing. Oh non, il faut pas commencer à tous mourir les uns après les autres là. Putain, ça me ferait chier là. Mort déjà. J'aimerais moins trouver une zone où c'est où les briques. C'est là-bas. Donc on va aller là-bas. Un entrepôt de matériaux, comme ça on va essayer de pouvoir délocaliser la base. Alors j'en ai rien à foutre des zombies là. En plus il fait nuit, c'est horrible. Voilà. Allez, prions. All quiet here. I found some supplies. Send runners for pickup. Okay, I'll round up everybody that's available. Thank you. Sit tight. I'm bringing this stuff home. We'll be ready. Okay. Bon, bah, apparemment, j'ai tout pris. Il y a une horde qui arrive, donc on va vite se dépêcher. Tu. Je ne peux pas dormir. Et je m'en contrefous que tu puisses pas dormir. Ah là là, ils font chier avec leur morale qui baisse à chaque fois là. Oh non, il peut crever, je m'en fous. Fucking screamers. You seem troubled. Is everything all right? Huh? Oh, yeah, I'm fine. Just, you know, worried in general. Well, as it says in Revelation, fear none of these things which thou shalt suffer. Behold, the demons shall cast some of you into prison that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Are you okay? Something just came in over the radio. I'll get you the location. The more infestations there are, the more dangerous the streets get. Oh là là. There you go. Don't say I never gave you anything. Ah, ben on va s'arrêter ici. Comme ça, j'ai fait 2 petits épisodes pour aujourd'hui. Et demain, on commence The Last of Us. Mais on continue aussi State of Decay, vous inquiétez pas. En tout cas, j'espère que ce petit playthrough vous plaît quand même. Hein. Je sais que c'est un peu répétitif, on fait un peu toujours la même chose. On va toujours chercher des ressources et tout. Mais c'est pour le bien de la communauté et tout. Hein. Donc on est un peu obligé. C'est un jeu où il faut passer du temps. Un peu plus qu'un GTA normal, je trouve. Ouais, je compare un peu à GTA parce que c'est un GTA avec des zombies au final. Sauf que, voilà, si je devais choisir entre un War Z et un DayZ, personnellement, je préfère ça d'un côté. Parce qu'il y a des quêtes, il y a un vrai scénario, alors que dans DayZ, War Z, il n'y a pas spécialement de quêtes. Je dirais même qu'il n'y en a aucune, si je dis pas de bêtises. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas été sur DayZ et War Z. Mais bon, voilà, ça se résume à de l'abattage de zombies, à récupérer des objets toute la journée, quoi. Donc ben voilà, ben moi j'aime bien ce State of Decay, il n'y a pas à dire, c'est un bon petit jeu, une bonne petite trouvaille. Bon, il est un peu chiant parce qu'il a pas mal de bugs, je trouve que c'est honteux que ça freeze alors que c'est pas glorieux graphiquement. C'est joli, mais voilà quoi, ça aurait pu être mieux optimisé je trouve. Bon, je vous fais pas un truc là, mais voilà quoi, je dis juste mon avis, pour le moment je le trouve super le jeu. Donc ben, j'espère qu'en tout cas je vous donne l'envie d'y jouer, ce serait sympa. Et donc voilà, moi en tout cas j'aime bien. Mais j'espère qu'on arrivera à la fin un jour, parce que à force de faire des ressources, et ben le scénario on le voit pas des masses avancer. Bon allez mes loups, sur ça je vais vous laisser, prendre soin de vous, prendre soin du rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la... Ouii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 i